donc dans les affaires de Jean-Pierre Amokoupé-Linga. L'influenceur des magistrats. Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun? Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun dont les promoteurs sont camerounais? Dont les promoteurs sont camerounais. Combien ont déjà reçu autant d'argent en termes d'appui que Jean-Pierre Amokoupé-Linga? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Oh ouais. Jean-Pierre Amokoupé-Linga reçoit pour un premier temps 379 millions de francs CFA au profit de Vision 4 Télévision. Vous comprenez? Et là, on parle d'appui d'investissement public. Vous comprenez? Jean-Pierre Amokoupé-Linga. Et après, il reçoit 1 521 750 000. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. 1 521 750 000 francs CFA. Les documents sont là. Mais Jean, mes chers frères et confrères, le mécanisme qui reste à élucider. €1 878 171 089 à l'ordre de CARPA pour le compte de Vision 4 Télévision. Donc ça doit se payer à la pailleurie de France. On finit de braquer tranquillement la 94, on finit d'assécher la 65, on prend un peu à la 57, quand il n'y en a plus, on dit pailleurie de France. Alors il dit, je sous-signais le payeur auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Ouh! Ouh! Mes amis, vous voyez ça? C'est compliqué, hein? Alors, s'il y a quelqu'un qui doit la boucler, ce n'est ni l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, à qui il a demandé de la boucler, ni le secrétaire général de la police, à qui il a demandé s'il perdait la tête, ni à personne. C'est lui qui doit la boucler, Jean-Pierre Amokoupé-Linga. Alors si vous lui posez la question de savoir, pourquoi est-ce que tu as poignardé Martinez au goût dans le dos, il ne vous dira rien du tout. Oui, voulant entrer dans les bonnes grâces du directeur du cabinet civil. Alors, moi j'ai mon problème avec mon grand frère. Lui, il vient se mêler de ce problème, il dit, non, il faut laisser, je m'en occupe. Je m'en occupe. Là, maintenant, c'est toi et moi. Toi et moi. Un villageois comme ça. Un villageois qui ne vaut rien du tout. Rien. Plus grave, il refuse de payer les impôts. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Oui, Amokoupé-Linga. Oui, Amokoupé-Linga. Il y a même par moment, la CIRT, il y a des problèmes d'argent.
Mais on ne débloque pas autant d'argent avec une rapidité astronomique pour faire plaisir à Charles Ndongo, le grand Charles, le directeur général de la CRTI. Alors, mes gens, mes chers frères et confrères, directeurs de publication, journalistes, l'aide à la presse privée n'est que de 250 millions de francs CFA. Et pour les avoir, je me rappelle bien, sous Issa Tchouruma Bakary, le ministre Issa Tchouruma Bakary se masturbait le cerveau pour les avoir. Les 250 millions de francs CFA de subventions accordées à toute la presse privée. 250 millions. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, est obligé de se tirer les oreilles, hein, de se caresser la poitrine, et parfois même de cravater brutalement le ministre des Finances pour qu'il débloque les 250 millions de francs CFA qui représentent ici l'aide à la presse privée. Mais entre-temps, un seul individu pour une seule chaîne de télévision, Vision 4 Télévision, reçoit en termes de subvention 1 521 750 000 francs d'un. Et après il reçoit 379 millions. Oui. Hey, Seigneur, dis donc. Ils sont violents. C'est pas terminé, hein. Vous savez, les choses du Cameroun sont compliquées. Dieu créa Louis-Paul Motazé. Et Louis-Paul Motazé fera de Jean-Pierre Amourou Belinga, à travers sa télévision, un milliardaire. Huh?